Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo spéciale Mystery Box. On va essayer d'avoir les nouveaux familiers de la nouvelle box, les familiers spécial Noël. Ils sont super mignons, donc je vais vous montrer. Donc c'est quand on clique sur des familiers tous les week-ends, en fait chaque week-end de décembre. Donc voilà, comme c'est indiqué jusqu'au 31 décembre, il y aura la Mystery Box spécial pour gagner des cadeaux, donc inspiré comme ils disent des monstres de l'île de Noël. Donc on a tout ce qui est commun, ce qu'ils appellent le commun, donc le plus facile à avoir, le pourcentage le plus haut. Donc 4 jours d'abonnement, Shigekax acidulé, donc je crois que c'est sagesse et prospection, potion du visage et des couleurs. En peu commun, donc en moyen on va dire, on a les cadeaux, du coup, qui ont chacun des couleurs différentes. Donc, le Cadoberman, c'est un familier d'apparat. Cadob, Cadoblique, Cadobstruction. Ensuite, on a les rares, donc le Picagla, qui ressemble un peu, je sais plus comment il s'appelle, mais au Presse-Pic Orange, le familier, le Picure, je crois que c'est. On a le Pikip, donc qui ressemble au petit sapin de l'île de Noël. Au sapic, et on a le Storf, donc qui ressemble au bonhomme de neige de Noël, pareil. Et en épique, hein, le dernier, c'est le Cadobivalent, valant, donc c'est celui qui prend les couleurs du personnage. Et après, bon, le légendaire, du coup, où on peut avoir tous les familiers d'un coup. Donc voilà. Ça coûte, donc comme c'est indiqué, 1500 green ou 1,50€. Bon, j'en ai acheté plusieurs, donc on va essayer en direct. Voir ce que ça donne, si c'est rentable ou pas, parce que c'est vrai qu'au premier abord on pense que c'est pas trop rentable, parce que si on tombe le plus souvent sur du commun, une potion de couleur c'est 700 au green par exemple, et si on dépense 1500 au green, donc on gagne que la moitié quoi la plupart du temps, donc c'est pas hyper rentable non plus sur le papier, mais bon, on va essayer. Donc c'est parti, on en a 17. On va essayer d'en utiliser une déjà pour commencer. Allez, c'est parti. Bon, Shigekax acidulé pour le premier, malheureusement. Donc ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est un bonbon sagesse pépé. On en réutilise un. Et on a eu le Storf. Oh, je suis trop content. Du deuxième coup, on a eu le Storf. Oh, je suis trop content. C'est celui que je voulais le plus en plus. Ah, je suis trop content. Le Storf étant constitué de neige magique, il arrive à garder une température très basse, quel que soit son environnement. Une capacité qui n'a pas échappé à ceux qui aiment boire des bières bien fraîches sous un soleil de plomb, qui l'ont donc rebaptisé la glacière. Encore un bel exemple de reconversion. Oh, il est trop mignon. Je suis vraiment content de l'avoir. Donc ensuite, on va essayer encore un autre. Allez, bon. Un changement de visage, pourquoi pas. J'espère que j'en aurai pas trop, puisque moi je change pas spécialement. Des jours d'abonnement, ok, plutôt pas mal. Ouais, on a un cadeau bien, j'en voulais au moins un, donc bon, je suis content. J'espère que j'en aurai d'autres quand même. Allez, il nous en reste 12, courage. Ah, Shigekax acidulé. Ah, j'espère que je vais en avoir d'autres des familiers. Yes! On a eu le Picagla. Alors ça, c'est vraiment cool. Il est plutôt pas mal. Ok, changement de visage. Allez, plus que 9. Shigekax acidulé. Ok. On va en essayer encore. Changement de visage. Bon, on a pas mal de changements de visage quand même. Encore un Shigekax acidulé. Oh là là, on a vraiment pas de chance sur la fin. 4 jours d'abonnement. Allez, encore 5. Encore 4 jours d'abonnement. On réessaye encore. Yes, on a eu le Cadoberman, donc c'est plutôt sympa. Il est joli. Il a les couleurs de Noël, il est vraiment sympa. Il fait très Noël, très festif. Allez, on a eu un visage encore. Oh là là, j'en ai marre des visages. Allez, yes! Oh, on l'a déjà eu. Bon, c'est pas grave, ça nous en fait deux pareils. Allez, un dernier, pitié, un bon. Encore le même. Bon,
C'est plutôt pas mal quand même ce qu'on a eu. Je suis quand même content parce que ça me fait pas mal de familiers. Bon, le seul que j'ai pas eu, c'est le sapin. Mais voilà, j'ai eu celui que je voulais le plus, c'était le Storf. Je suis trop content. C'est celui que je pensais facilement mettre par rapport à mon skin qui est rouge et blanc. Donc je suis super content. Bon, dommage que j'ai pas eu le Sapik. Peut-être que je retenterai quelques cadeaux pour essayer de l'avoir. Quelques mystery box, pardon. Mais voilà, dans l'ensemble, je suis plutôt content. J'aurais quand même aussi aimé avoir celui qui prend les couleurs. Parce que il s'adapte plus facilement au personnage. Donc c'est vrai que ça m'aurait plu de l'avoir. Mais bon, après, on va pas tout avoir. En tout cas, voilà, je suis plutôt content. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné envie ou pas d'acheter des Mystery Box. En tout cas, moi ça m'a plu et je suis plutôt content parce que j'ai quand même eu le familier que je voulais. Donc voilà, je suis plutôt content. On va essayer de voir tout ça en jeu parce que bien sûr on a tout reçu en jeu. Donc on regarde qu'on a bien tout eu. Oui, on a bien tout eu. On a eu quand même pas mal, hein, vous voyez. C'est plutôt cool. Les potions de changement de visage, on va les garder au cas où, mais je sais pas si je peux les transférer sur d'autres personnages. Alors, j'ai quand même eu, voilà. Ok, donc ils sont quand même échangeables pour l'année prochaine, mais je vais pas les échanger. Je les garderai. Je donnerai peut-être des cadeaux. Cadoble, je sais pas comment on prononce, à mes autres personnages, mais voilà, moi j'ai eu ce que je voulais, il est trop mignon. Donc on va essayer tout ça. Alors on a le Toucancre, parfait. Donc on va essayer le Cadoberman. Donc là vous voyez, il est plutôt sympa quand même, hein. Regardez, il est plutôt pas mal, un cadeau qui marche. On va essayer les autres. Alors, on va essayer le bleu. Il est plutôt pas mal aussi celui-là. Je l'aime beaucoup. Il est plutôt fun. On va essayer le Picagla. Ah ouais, lui il est vraiment sympa. On dirait le Pokémon Sabelette mais des glaces, vous savez, en forme d'Alola. Il est plutôt sympa celui-là quand même. Vous voyez, il est plutôt joli. On va essayer du coup celui que je préfère. Ah oui, il est plutôt pas mal. Oh, il est trop mignon. Il nous suit en mode bouboule, c'est trop mignon. Oh, il est trop choupi. Je suis vraiment content de l'avoir. Je les aime tous, hein, mais celui-là, je l'aime particulièrement bien. Il est vraiment trop mignon. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker. Je vous fais plein de bisous pour Noël. À la prochaine les amis, tchuss!